Bon, salut à tous, c'est Rosset18. On se retrouve pour l'épisode 18 de One Piece Pirate Warriors 1. Donc, tous les jours, on a l'annexe. Du coup, la dernière fois, j'avais dit que voilà, qu'à la fin de la vidéo, je vous présenterai, je vous demanderai quel personnage que vous voudrez. Ben, quand j'ai oublié, ben, je vais choisir. Ben, je vous propose de prendre Hancock. Cette fois. Attendez que je monte le son. Merde. Excusez-moi. Mes potes qui s'en mêlent dans le fil de mon microphone, c'est pas vraiment génial. Donc à Hancock, ça devrait aller vite, fait qu'il reste qu'un niveau. Donc déjà pour gagner du temps, j'ai mis déjà sa pièce. Ça me fait peur parce que tout branché, ça marchait pas. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et on sait que t'es belle. On a envoyé qu'elle a un serpent. Barbe noire. Allez, il y a les plus de gens. J'ai peur. J'ai fier de la passion. Oh, elle est transformée en pierre. Allez, Almutine. Oh, 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 oh. Le niveau pris. Allez, fais nous montrer ta petite culotte. Allez, toi aussi tu vas être transformé en pierre. Avec cette tarte la cerise. Mais oh, vous voyez pas que j'essaie de détruire Barbe Noire? C'est méchant. Allez. Je t'ai repris, Barbe Noire. Il doit être. Ouais, il est toujours là. Allez. Allez, gros porc. Voilà. Il appelle Luffy. Ah, il est fermé. Alors, le serpent de Hancock s'appelle Salomé. Comme la sœur de dans la série Clem. Allez, sprint. Merde, je me gourre en plus. C'est pas là. Allez, pas fitista. Elle vous voulez un petit une petite attaque ultime dans la gueule. Encore. T'as un problème, j'ai le fluide. T'as aucune chance face à la beauté d'Hancock. Oh, il fait mal. Il fait mal. Allez. Allez. Je dis pas merci le Luffy qui t'a aidé. Allez, Barbe Blanche. Dans mon gars, Shingen brille. Je crois que c'est ça la technique.
Oh putain, quand on l'a défoncé. Les filles. Descends, allez. Oui, t'as raison, le Phoebe. On va aller par ici. Je sais pas ce que vous pensez en coque, elle est très belle. Là, on va le sécuriser pour Barbe Blanche. Voilà. Allez, une attaque ultime pour vous deux. Ah oui, attaque avec Salomé aussi. J'ai peur. Ah, il y a un petit qui sac qui dirige vers Barbe Blanche. Allez, les gars. Allez, on va les sécuriser l'autre zone au drapeau. Ah, il y a quelqu'un en Sforza encore. Je me dis, c'est tout de même pas parti, Barbe Blanche. Quel radin. C'était l'homme le plus fort de One Piece. Un des hommes les plus forts qu'on a vu dans One Piece. Alors que Marineford. Mais franchement, il est. Évidemment. Allez, bah, mon gars. Oh yes. C'est bon. Bon, maintenant, fait tout avec Barbe Blanche. Allez, c'est parti. Et après, il y aura une vidéo sur Sly Cooper 2. Ça va être la mission des bouteilles. Allez. Franchement, là, tu... Allez. Oh oh. Allez. Oh oh. してかしてやるとすっか。これは怖いね。ほら。この口先ばかり。師匠じゃ。へえ、やんだ。そんなに強いと思わなかった。もう一度怪しくなってきちまった。
Voilà, il résiste pas. Allez. Niveau supérieur. Ah, attends, il y a un gros point. Allez, ça se passe, que vous avez pas besoin de les voir. Pas aucune chance. Genre, ça fait un truc bizarre. Ça fait genre. Genre esprit fantôme, quoi. Avec les couleurs. Attention. Des gros points ici. Oh. Allez, avec le team. Allez. Bouffez-vous ça. Allez. Qui m'a fait ça? C'est toi? On se fait avoir. Tu m'auras pas, barbe noire. Accueille-nous. Allez. Oh la vache. Allez, attaque ultime, tu l'as bien cherché. Oh, on l'a eu. Allez, plan sur les nichons d'Angoku l'a bien mérité. Ah. Luffy. Tu veux pas aussi nous faire montrer cette culotte? Je sais que je joue un petit peu au pervers. En étant, elle est trop belle. C'est bien, elle a quand même bien monté. Elle a un nouveau porte-pièce. Allez, ça vous laisse, que l'avez pas encore vu. Il y a des génériques de fin. Le premier, puis il est sur les deux jours dans la NES. Mais vraiment, il est pas long.
je crois qu'on l'a déjà vu, mais je sais plus. Bon, qui chante la chanson le baron de Pins. Je suis trop pressé de vous faire le 2, le 3. Le Pirate Warrior. Donc je pense que le 3 je vais le faire sur PS4. Je l'ai vu pas très cher, ou je demanderai à un pote à moi qui l'a, s'il pourrait pas me le prêter. Mais je pense que ce sera mieux que je le jette. Donc ça évitera, si au bout d'un moment il le reveut, si je suis en pleine vidéo, de le rechanger. Pour ce qu'il est disponible aussi sur le play internet de la PS4. Ça c'est une carte prépayée, puis hop, elle est téléchargée, puis c'est fait. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis autant de tous les personnages jouables qu'on affronte. Genre dans Krieg, même dans Planet Peace 4-3, il est toujours pas jouable, même Arlong et tout ça, même Oti plutôt, c'est comme bizarre, même Roi Paul. C'est un peu n'importe quoi. Même Vivi, elle est pas jouable. En même temps, elle est faible. Je pense que ça aurait aucun intérêt de la mettre. Enfin, mais ce serait peut-être sympathique d'avoir jouable. Pour voir s'ils l'ont amélioré comparé à One Piece Grande Aventure et Grande Matteuse. Elle était pas terrible. Donc elle était même pas jouée dans le 1 et elle apparaît que dans le 3. Comme bizarre. Ah oui, on a une deuxième attaque. Mais moi, je ne la verrai pas. Enfin, je verrai. Parce que je ferai une dernière vidéo où je jouerai peut-être avec mon frère ou avec un autre copain. Puis je ferai des vidéos. Alors, on tourne sur le journal annexe. On va faire quelques petits trucs avant. Alors on va choisir, je vais vous faire une sélection de personnages qu'on avait fait dans le dernier épisode du mode histoire. Mais j'avais peut-être proposé trop, c'est pour ça la tête, c'était difficile de choisir. Du coup là je vais vous en proposer 3. Je vous propose pour le prochain épisode. Donc dès que la vidéo est sortie, dès que vous la regardez, mettez vite fait un comment dans l'espace commentaire le personnage que vous voulez, parce que vous savez. Moi je dis lundi, mais des fois je sais pas quoi faire comme vidéo, je peux le faire. Je peux décider, tiens, un jour là, on n'est pas lundi, mais je fais du One Piece. Alors, pensez à le mettre directement. Mais réfléchissez bien quand même. Alors je vous propose pour le prochain épisode de faire Jim. De choisir entre Jim B, donc l'homme poisson, vu qu'on en a pas encore fait, ce serait bien de jouer Jim B. Non. Ou Sandy, donc le cuisinier de l'équipage, ou Rohanna Zoro. Alors parmi ces trois, mettez dans l'espace commentaire celui-là que vous voulez. Si on n'a qu'un qui choisit, tant pis, je prendrai celui-là qu'il a choisi, mais si on a plusieurs, j'essaierai de voir. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à partir de la vidéo, c'est pas des... sur ce. A plus.